bienvenue au Vignoble Malidin. Je suis Romain Malidin, je suis gérant avec mon frère et mon oncle. On est trois associés sur un vignoble de 45 hectares, donc propriété familiale depuis trois générations, depuis à peu près 1954. On est sur l'appellation Muscadet Côte de Grandlieu, à la Limousinière. On produit 12 cépages différents, avec à peu près 18 cuvées. Sur le domaine, on a deux grands terroirs qui ressortent. On a les amphibolites, ce sont des roches vertes, des vins plus minéraux, plus structurés. Et puis après, on a une autre partie sur des micaschistes, donc des roches mères plus argileuses, avec des petits galets en surface, qui permettent d'avoir une maturité plus optimale et avoir plus de finesse. Aujourd'hui, on a quatre muscadets différents. Donc plusieurs sont faits par parcelle, d'autres sont faits en fonction des élevages sur lit. Et puis dernièrement, on a fait des élevages en cuve ovoïde. Donc c'est des élevages qui sont un petit peu atypiques, qui donnent des vins plus opulents, plus gras. Sur l'export, on va travailler beaucoup sur des muscadets, des chardonnays, des sauvignons, des gros lots rosés, des gros lots rouges, des pinots noirs. Et puis on a aussi toute une petite gamme de méthodes traditionnelles qui est aussi une belle réussite pour nous. L'export aujourd'hui représente entre 15 et 20%. On est présent sur la Belgique, l'Angleterre, les États-Unis et le Japon. On souhaiterait se développer sur les pays nordiques, les pays de l'Est, et renforcer nos réseaux un petit peu, notamment sur les États-Unis. On reçoit nos clients, export ou français, et on se déplace aussi pour les accompagner sur le terrain. Donc on est présent sur ces différents marchés, et puis autrement on fait différents salons, notamment le Salon des Vins de Loire, Wine Paris et Provine.